Bonne nouvelle pour le peuple. Mesdames, messieurs, nous capables dit jodi ça là. Eh bien, nouvelle la tombée. République dominicaine remplacée ou République dominicaine pral remplacée par pays Colombie. Aïe aïe aïe. Eh bien, mesdames, messieurs, marché ça. Nous voyons que République dominicaine t'a fait style. Yo te fermé sous nous peut-être nous t'a fait canal. Eh bien, jodi à la, n'a dit merci avec ministre Rika de Saint-Jean. Mesdames, messieurs, nous pourrons porter plus d'informations sur le dossier Zabou parce que grand pile cause qui parlait, grand pile bonne nouvelle de côté de la République d'Haïti qui était dans pénurie sous affaire produits que nous avons acheté dans la République dominicaine qui t'a ouvert course sous nous. Gros bonjour, gros bonsoir, c'est le Lob Gade vidéo ça et Nabdou. Bienvenue sur Stand Up La Gaye, bienvenue sur Zené d'Haïti. Alors, si vous pouvez abonner avec Chanel, ça, on a invité à faire ça. Abonner, l'offre d'abonner, vous n'oubliez pas de cliquer sur cloche de notification. Retirez le sous option personnalisée, avouez le sous tout pour qu'il recevra toute information nous en notification. Et si vous avez un like tout, pas hésiter, bah un like, parce que like là, lui-même, son support là, y est pour nous, qui a aidé Chanel ça, et gripper pour aller, côté le ta supposé, pour faire chemin le ta supposé faire. Pour faire pour nous, gardez côté ou petit pouce là. On va cliquer sur petit pouce là. Ba nous like. Nous t'aimé ou vidéo ça. Li passe environ 1000 likes. Mesdames, messieurs, je dis ça qui c'est 17 novembre 2023. Qui ça bagay là? Alors, nous connaissons que le pays d'Haïti là, il était en quête de yon lot marché. Eh bien, République Dominicaine, lui-même qui était campé là, à cause de te fin fermé marché, malgré que te décidé ouvrir, eh bien, peuple haïtien dit pour fréquent. Que Dominicain fait, yo pas acheter produit dans mes Dominicains. Là, nous gagnons pays Colombie, nous gagnons un ministre en Haïti, et regardez ces gens, mesdames, messieurs, monsieur mené enquête jusqu'à ce que monsieur joigne un partenariat de marché Haïti avec pays Colombie. Qui donc tout produit que République Dominicaine de qu'on a vendu nous yo et bien produit ça yo y a sorti dans pays Colombie pour entrer dans pays d'Haïti jou qui était 15 novembre 2023 et bien nèg ça ou te chita parler gayon accord qui signé et gayon l'autre accord qui pral signé dernier accord c'est pral accord qui pral libérer marché a total capital marché entre Haïti avec pays Colombie mesdames messieurs nous capable dernièrement là gon bâtiment qui était construit et construit dans port Saint-Louis d'Isid là nous un bâtiment ça c'est Colombie il est sorti moi quoi oui si ma mémoire est bonne moi quoi c'est Colombie et bâtiment ça était sorti avec 80 000 sacs ciment et bien mesdames messieurs nous gétant ouais trafic Colombie avec Haïti avec pour mener produit en Haïti c'est bon bagaille cap difficile son bagaille cap facile pour pays d'Haïti et me capable dire nous marché Haïti avec pays Colombie son marché cap aider peuple là en pile et surtout pendant que n'a fait marché avec yo nous va pas chita garder des marchés seulement faut nous continuer travail pour nous alimenter canal nous pour nous cultiver la caille nous parce que pas toutes les pour nous rester sous côte monde si n'a garder pays Chili là mesdames monsieur ouais Chili les Chili pas de gagner quantité produit ça le gagner pour te capable tête ni manger Chili te mandé République Dominicaine marché République Dominicaine à l'époque il était refusé et Chili parce que il était que trop monde sous marché parle il était refusé Chili dernièrement là yo mandé Chili marché parce que Haïti pas prendre mais encore eh bien Chili te refusé parce que Chili dit yo même yo pas chita les République Dominicaine te refuse yo a, yo même yo pas chita produit yo te besoin yo, yo fonjo yo te fait élevage, yo cultive produit ça et bien produit ça yo, yo agogo la kayo. Mesdames, messieurs, si peuple haïtien cherchons marché, c'est pas jeune marché pour nous dire que nous sauver, c'est pas jeune marché pour nous dire que pays d'Haïti kabay tête ni manger, pour kabay tête ou manger, faut que c'est ou même qui fait manger. Et bien, mesdames, messieurs, ça nous pour nous faire pendant nous jeune marché pour nous garder, pour nous voir comment nous ka sauver tête nous, et bien pendant nous sauver fait tête mon travail pour nous voir comment nous ca sauver pays à tout pour nous sauver pays à faut nous mettre tête ensemble joie mon on a met à faire là elle dit toute zone qui gagne pleine toute zone qui gagne rivière et bien madame monsieur nous ca mettre tête ensemble pour nous planter sous yo pour nous cultiver sous en fait pour nous bailler pays à manger parce que l'on a gardé ti manger a sorti dans pays étranger million 20 ou a changer dollar
un goud pour acheter manger ça, li vin million 20 nan mou. Pour autant manger ça ou te ka fèl nan peyi ou ki te ka vini mreskob. C'est pas pour dire les Haïti fait manger ou pas acheter bagay ou pas acheter produit. Non, ou pas acheter produit, mais prix ou pas même madame monsieur. Imaginez-vous bien soit pas acheter un petit goud de diri par exemple et 50 goud ou bien 60 goud. Si Haïti fait diri à gogo ou pas payer l'an prix ça ou pas payer l'an 12 goud, 13 goud. Son bagay comme ça et son bagay comme ça nous mesure pour pays d'Haïti. Oui, son bagay comme ça nous mesure pour pays d'Haïti. Et bien madame monsieur jodi a là, m'té passé dit nous que marché Colombie pral ouvrir, Colombie pral porter produit ba nous à gogo. Parce que nous avons un bout de tonton, petit tonton, soit regardé sous l'écran là. Eh bien, c'est monsieur qui fait des matchs là. Monsieur joue un partenariat avec Colombie. Mesdames, messieurs, marché Colombie Haïti, Abibi, Nancho, Net. Là, c'est qu'on a nous pour le camper, nous dit KPK, canal la pop copy. Mesdames, messieurs, pour ne pas perdre un peu le temps, il y a l'autre pour faire actualité. Tant que nous avons dossier sanction. Ke yo bay neg yo, neg yo tet neg yo show actuellement. Gen dossier gang en Haïti. Vite l'homme ke les États-Unis d'Amérique m'a fait démagogie pour vite l'homme ou neg yo ka passe me yo pren à la seconde. Mwè se démagogie neg yo a fait. Ko pa ket l'autre pou ka fait actualité, mesdames, messieurs. Pour ne pas perdre du temps, en al dan de ti extrait ça. Non, ti tan kon sa, n'ap toune encore. Je vous dis à la, c'est que les Américains, FBI, yo konnen exactement côté vite l'homme yé. Pour ça, va vin bon. Ok, et même FBI ça, pour ça, pas entendre avec l'armée américaine, prendre deux trois soldats là, font task force, mettez avec la police nationale d'Haïti, mène une opération, et puis fin pour vite l'homme. Maintenant, 2 millions de dollars, c'est que des gens qui ont des informations déjà sur vite l'homme, avec 1 million de dollars seulement déjà, ils ont des informations, hein? Même Jean pour l'envoi 5 jours. À moins que peut-être si M. Sayo entendu avec une famille, qui fait famille en fait comme là, et puis qui livre tête, donc by FBI à travers famille. Bon, en tout cas, ça sont dossiers dans ici là. Donc à l'émission matin débat. Mais invite l'homme et très recherché par la police nationale d'Haïti. Est-ce qu'on a dit invite l'homme très recherché? Parce que l'homme est joué capé dans l'église. Il prêche, il prie, tout le bagage de bagage. Et ça son nèg public. Il a son vie publique à mener, il va cacher. Il cherche, il prie. Les Batman, les Jésus-Christ, les bon Dieu, et des bagages comme ça. Donc, il fait fête, l'élève, donc nous croyons les bouquets. L'élève fait fête, fait d'artifice pété. L'autre chef gang invité, vient dans fête. Donc, est-ce qu'une gars dit que son monde gars, que la police a fait? Bon, en tout cas. Donc, là, son dossier n'a pas suivi ici. Donc, à l'émission, matin débat. En tout cas, et son petit cop qui a été là, un petit cop bien. Non, 2 millions de dollars, c'est un bon l'argent. Un bon l'argent. Un bon l'argent. Un bon l'argent. Maintenant, c'est qui mon gars? L'argent, c'est un bon l'argent. Maintenant, c'est qui mon gars? Ben, information sur l'argent, ça. Pour l'argent, ça. L'homme bon l'argent, oui. On a rappelé que vite l'homme, donc recherché par les Américains, c'est suite à kidnapping de 18 missionnaires. Nous songez que monsieur était kidnappé. Et non, c'est pas ce dossier, ça, non? C'était deux Américains, moi, quoi, que. Monsieur était kidnappé, donc la caillou, donc n'est pas nié. Il y a madame qui est mourue sur place. Vous savez, nous avons déjà ici déjà. Il y a madame qui est mourue sur place, et puis il était kidnappé. Donc monsieur, c'est deux grands mounes. Ok, finalement, on finit par libérer, donc grand monde. Donc c'est sous. Et à accusation ça, c'est sous chef accusation ça, que vous mettez pris ça sous tête vite l'homme. Pour ça, c'est États-Unis que FBI a mis. Et a fait publicité ou du moins a mis des billboards pour annoncer que la cherche vite l'homme. Pour que ça n'a pas vu mettre l'Haïti tout. Mais pour ça, bon, c'est Haïti vite l'homme. Et FBI connaît très bien qui boit vite l'homme. Non, c'est parce que. Comme si il va connaître vite l'homme. Il considère vite l'homme son nègre international. Non, ça n'a pas un problème. Ok? Mais mettez billboard, mon frère. Ou annoncez que 2 millions de dollars ou mettez sous tête et chef gangza. On connaît très bien que chef gangza, c'est l'allié. À côté de là. Dans Peignier. À côté de là. C'est l'allié. Voisin. Sous tabac, il est pratiquement voisin. Donc avec l'ambassade américaine. Oui. Comprenez bien. Et puis on y a, c'est États-Unis, on mettez go billboard, on annoncez qu'il va chercher vite l'homme, ou mettez 2 millions de dollars sous tête vite l'homme. Bon, qu'on côté vite l'homme,
Alors, connaissant américain. Pour ça, pas contre ta force pour ça. Les États-Unis, pas pour les soldats Lyon, pour venir là, font ta force avec la police nationale d'Haïti, et puis marcher pour vite de l'homme. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non. Alors, c'est mobilisation, on va payer. Son mobilisation à faire, je ne sais pas. Je ne sais pas pour qui ça fait. Est-ce que. FBI travaille en secret. Oui. Mais là, son bail public, pas grand secret là. Je ne sais pas. Parce que vite l'homme, c'est là, il y a avec Yordia. Il dérange l'ambassade là plusieurs fois. Il dérange tout voisinage qui à côté ambassade là plusieurs fois. Et il l'a peigné. Et c'est là qu'il a évolué. Il croit des bouquets, il peigné, c'est là qu'il a évolué. FBI connaît côté lié. Ok? Maintenant, mettez billboard aux États-Unis pour annoncer que Vitelhomme, oh, à moins que je ne connais. Alors, Vitelhomme, c'est mon équipe maintenant vie cachée. Mm-hmm. Son équipe publique. Et de temps en temps, qui fait. Et, sur les réseaux sociaux, qui fait. Des sorties. Mm-hmm. Et son chef. Correct. Parce que d'ailleurs, il déclare qu'il n'y a pas de monde qui démentit. C'est clair. Ouais, gouvernement n'a pas démenti. C'est clair. Donc, ça veut dire. Et tout le monde qui connaît, il connaît le travail vrai, il utilise le, pour vrai. Alors c'est ça le dit. Même quand celle qui toujours dit, Vitelhomme pas en gang, parce qu'il pas connaît Vitelhomme comme gang, parce que Vitelhomme était qu'on fait campagne avec lui. Okay. C'est Anel Belize. C'est Anel Belize seulement qui est grand qui dit ça. Non, mais ça, c'est peut-être. Parce que tu as un contact, du mobilisation. Du temps de la campagne. Voilà. Mais après, voilà, ça, la vie n'est pas. Voilà, la vie n'est pas. Je ne dis pas que vite l'homme pas gang. On n'est pas capable. On n'est pas capable. Parce qu'il a kidnappé les gens et boulé les gens. Donc, écoutez, non, on n'est pas capable. La mise à prix sur la tête de vite l'homme innocent. Jusqu'à 2 millions de dollars américains, à quoi peut-on s'attendre? Moi, je ne peux pas nous mentir. Il n'est pas autant de dans le pays. On va poser cette question. Bon. Et ça va, ça y est. Mon cher, il faut qu'on nomme. Où est l'agence à pour faire? Il faut que c'est. Comment elle est? Office qui a fait arrêter Badjoua. Oui, il faut son nom là. Bien non, de toute façon. Mm-hmm. Parce que là, ouais, l'agent ça qui tombe à. L'agent à terre, oui. $2 millions. Et pour non. Non, mais même problème là qui vient bien matin. Il y a pile l'autre monde qui est sous question sanction, et bien qui vraiment en de très grandes difficultés. Donc, surtout sur le plan financier. Et madame, monsieur. Donc, elle dit que pas attendre, pas étonné si nous avons que sanction par public. Mm-hmm. Mais les sanctions, ok. Bien sanction parce que le comité que l'Assemblée générale des Nations Unies était voté et le comité a là pour un an. Donc ça veut dire que vous avez avec une sanction jeudi, demain, et puis vous venez voir, c'est jusqu'en juillet, vous avez un groupe de monde qui pratiquement donc une pas sanction. C'est jusqu'en novembre année prochaine, vous venez voir un autre groupe de monde qui vient pratiquement donc sous sanction. En tout cas, mais pas oublier. L'histoire se répète. Donc le fameux procès de la consolidation, c'est ton équipe nègre qui donne déjà son public la vérité à toutes, qui est accusé de corruption. Corruption. Et puis finalement, l'être élection la vérité à toutes, puis il faut un nègre candidat à la présidence, qui est ça qui vient ministre, qui est ça qui vient secrétaire d'État. Donc l'histoire pratiquement donc, a toujours capable de répéter. La justice terrain au mauvais jugement. Et juge n'est pas bien charpenté. Oui, justement. Les décisions pour y être en compte n'est pas de bon. Bien. C'est la justice qui a dit que soit annoncé est possible. Mm-hmm. Parce que qui justice, qui gouvernement pour l'accompagner cette action ça. Bien. Qui est-ce? Louko, pour Jean Haïti est là, faut qu'on un pouvoir fort. Qui paraît, qui prend pays, qui dit, faut pays ça sous pied. Et premier bagage, c'est justice. Bien. Bon maintenant, bien. Donc, faut que si pas gain ça, si pas gain ça. Justice forte justement. Oui. Et puis faut moun cap indépendante. Bien. Oui, faut moun cap vinn pour pays yo tout. Yo harmoniser au bien. Bien. Faut équipe là, vous comprenez ça me dit c'est Barcelone.
dernier on Real Madrid ouais c'est son gros équipe gros équipe mais si on a chaké ou pas grand nèg ça ou pas grand monde ça ça fait une règle a fait politique il vient régler ouais depuis c'est comme ça non pas amateur il soit dit plus que correct depuis et c'est pas ni moi ni ou ni l'autre gros avocat qui dit son parole qui sorti dans le livre des saints la justice élève une nation clair la Bible clair. Depuis un pays pas gain justice non ou son pas, pays pas exister regardez d'ailleurs distribution la justice n'est pas bien faite c'est donc un côté il y a vol la justice au plus offrant et de fait c'est ça lié parce que en Haïti par exemple les magistrats chaque magistrat ou bien majorité magistrat chaque marine un pion homme politique oui et c'est deux plus gros problèmes qu'a crasé justice haïtienne problème indépendance et puis problème de la diarchie au niveau du pouvoir judiciaire c'est-à-dire l'exécutif trois représentants dans la justice haïtienne donc toujours une bagarre justice qui propre qui indépendante dans vrai sens terme ni n'a fait carré de justice qui a marché comme ça et il dit bah, mais ça c'est du bibitcha et depuis les autres sont fini pas déjà sont quelques questions venir au niveau international à peine date pour venir c'est pas une question de parlement le monde son village oui c'est pas une question de parlement le monde son village suprême bon. Donc et de fait que même côté là on voit que le gouvernement kenyan donc commencer à faire recrutement soldats donc pour venir en Haïti donc comme si quand vous pensez que la balle bloquée nous pas attendre de grand chose que qu'un blocage barré mais ça bagaille faut haïtien pas mettre en tête que kenya vient là la venue résout le problème de sécurité pour eux. Non mais non, ça ça haïtien. Il y a une de la police là. OK. Dans opération que le peuple mené sous terrain face aux bandits. OK. Bon. Pas haïtien. Pas maintenant tête nous Kenya pour aller défendre pays à pour nous. Pour aller défendre intérêt nous pour nous. C'est nous qui défendre tête nous. OK. OK. Et puis sur le plan pénal, ULCC recommandé pour mettre action publique en mouvement contre l'ancien sénateur Joseph Lambert. Ancien sénateur Wannick Pierre, ancien sénateur Richard Lénine, Hervé Foucan, et enfin ancien sénateur Garcia Delva pour détournement de biens publics, conformément à sa disposition article 5.4, loi 12 mars 2014, qui n'est pour acte prévention et répression, corruption, guerrier, je sais. D'abord, sur question de 4 débits que nous avons utilisé pour garantir l'argent dans la République, selon les enquêteurs de l'ULCC, et puis on sait une sénateur qui pensait aussi des héritiers légitimes de ancêtres des héros qui décidaient n'importe ça pour l'État, notamment pour le Sénat République, que vous parlez encore, c'est affaire privée au lieu, donc ils ont décidé qu'il y ait là-bas, mais c'est ainsi que vous joignez plusieurs sénateurs, malgré le mandat fini, malgré le pas dans le Sénat encore, Grégory Lubin. Et bien, qui ça a constaté, sénateur Zayo, il dit tout ça que tu es nommé, rendez-vous, parmi eux, machine, sénat République là. Donc, on dit, petit bagage qui fait mal. C'est que quelqu'un qui a une machine, qui a discuté, qui dit, pas de machine. Ça fait moi-même. Qui dit, machine, qui dit, pas de machine, qui dit, pas de machine, mais ouvrez, pas de machine, sénat, non, mais. Ça fait vrai. Bon, bye, Joseph Lambert, un bel passe matin. Et, je pense que c'est un nègre, on va reprocher le sauvé. Mais vous voyez, monsieur Nassas, bon, moi, je dis, honnête. Bon, vous êtes là, go. Ou même, c'est ça. Dans qui sens? Alors, quand on a dit, monsieur, il y a 4 machines dans le monde, qu'on connaît l'explication de Bayo? Qu'on pas quoi? Mais ça, c'est qu'il y a 4 machines dans le monde. Bon, si on en a, vous m'avez compris mal. Le sectionné, monsieur, ouais, monsieur, il y a des noms, quoi, là, fait. Pas a fait. Est-ce que c'est parti politique là pour renforcer, vous le voyez de l'autre tête, de l'autre visage, nous pas est-ce que monsieur font retrait ou carrément sur scène politique, nous pas est-ce que monsieur conscient mettez le nom qu'on baronne? Est-ce que monsieur mobilisé cabinet avocat pour aller chercher gérer quelque part? Mais ça, c'est certain, mais profite pas, monsieur Kembe. Alors, explication de Bayo, pour Bayo rapidement. Il dit, Gagnon, nous sommes allés été attaqués dans la zone en bas la ville, jusqu'à ce que monsieur Gonzuel, là, qui n'est pas finoqué du tout. Donc, machine ça, monsieur est allé avec lui, et c'est un blendé. Yon lui dit que yon prend qui nomme la police dans le cap haïtien qui yon te saisi parce qu'elle pas de plaque ou baron ça. Ok, et puis yon deux lot lui dit qui en panne Jacques Mel
Donc après de oui, il dit bon, c'est route Matissan pas bon qui fait parce qu'il faut que tu as remoqué pour rentrer avec yo venir dans la capitale là. Et il dit il t'a informé secrétariat Sénat de ça. Bon, au moins monsieur d'accord machine là. Oui, non même. Que explication ta convaincante dans j'ai pas que pas convaincante mais au moins j'ai d'accord mais gien là qui fait j'ai oublié cherche malgré machine dans d'appel. Pourquoi gien? Ah, ouvrez-moi dit. On va aller rapidement parce que faut avancer pour mettre ses dettes. Eh bien, rapidement, qui te dit nous, ULCC, dans la méthodologie, par là, il dit parler avec BNC, donc BNC, une série de données, il dit parler avec tout le secrétariat général, monde qui est dans le secrétariat général et Sénat, il parler avec monde qui est responsable police parlementaire là, au niveau parlement, etc. Quand il y a là, on rentre. Dans ça qui dit dans l'enquête ULCC menée sous Sénat République là. Gagné du seul. ULCC dit dans l'enquête là, et il a fait, bien entendu, sous Sénat République là, eh bien, enquêteur rivé, eh bien, relevé, soulevé de graves anomalies et irrégularités dans Jean, monsieur, était décidé gérer ou bien administrer ressources matérielles et financières qui allouent à Sénat République là. Premier cas irrégularité que nous capable mentionner pour matin selon ça ULCC lui-même les rapporter dans rapport là dit concernant un certain nombre de dérives que bureau Sénat lui-même dit commencer commettre après avoir fin adopté une décision souvelée sous présidence sénateur Youri la Tortue en 2017 côté décidé souvelé octroyer 4-2 débit à une série de fonctionnaires dans institution par-ci par-là sans garder derrière. Et ULCC s'est rappelé, en temps normal, c'est seul fonctionnaire qui déjà subi avec succès période probatoire 3 mois, j'en décret 17 mai 2005, l'an lui-même qui gagne pour la fonction publique là prévoit ça, qui t'a doué bénéficier avantage 4-2 débit. Mais ULCC s'est dit, d'après données, il a gagné, d'après information que il a joindre pendant l'enquête là, eh bien, l'enquête l'a révélé, dans le Sénat République là, guerrier de seul, il y a des fonctionnaires qui ont accès avec 4 de débit qui n'ont pas même fin fait stage probatoire que au mandat qui sont étape obligatoire. C'est-à-dire, ils ont juste rentré dans le Sénat, ils ont juste baillé l'argent. Ça vaut pour rien. ULCC allait plus loin pour le dire. Dérive ça, les contribuables souvelés pour venir allonger de manière exponentielle non bénéficiaire 4 de débit. Ça qui fait, eh bien, l'argent ça, qui alloue à 4 de débit à pour Sénat République là, l'y élevé à, non, plutôt on dit nombre de bénéficiaires, qui élevé à 1696 moun en de Sénat République là, pour 4 de débit chaque mois. Mm-hmm. On l'autre bord, guerrier du sol, ULCC dit, l'y va découvrir, à partir d'un ensemble de documents, à partir tout d'un ensemble de informations, il recevoir dans l'enquête là, bureau Sénat souvelé, li bail, bien entendu, par le biais de 4 de débit, ou ensemble de l'argent que ou les primes de performance, à une quantité fonctionnelle à la fin de chaque année. Et par exemple, pour l'année 2022, ya, prime de performance sa yo, à travers 4 de débit, il était adjoint près de 100 fonctionnaires. Or, ULCC qui a parlé, suivant données investigation, il n'y a pas existé dans le niveau administration Sénat aucune méthode, aucune procédure adéquate pour ta permettre d'évaluer avec objectivité, transparence, performance et productivité agent public. Yo. Donc, sélection bénéficiaire yo dépend tout simplement de la discrétion du bureau du Sénat qui lui-même les distribuer à mon niveau et suivant propre critère pal pour une de performance n'a pas les là. Pratique ça selon ULCC, les constituer sur la base en dire, eh bien, un terrain propice s'ouvre pour, eh bien, cas de corruption t'a multiplié en dans institution sénatoriale. ULCC a allé plus loin pour le dire. Commission enquête l'a constaté, mon paquet de gros l'argent qui a joint en série de fonctionnaires à titre de prime de performance dans fait année 2022. Les cités par exemple, pour capable illustrer ça y a dit, car chef comptable a parlé de M. Alain Joseph, qui recevra pendant fait année 2022 548 660 goudes
OK, sous 4 de débit, on m'entend qui dépassait très loin ça li habitué recevoir sous 4 ça qui c'est 37 000 goud par mois. Eh bien, ça s'est dit pendant y a temps de monsieur Alain Joseph de noter ça, eh bien Alain Joseph était incapable pour te expliquer commission hein, pour qui ça Sénat Bali 548 560 goud ça, pour qui ça c'est l'agent ça you Bali etc. Et pour qui ça c'est lui, pour qui ça c'est l'agent ça, pour qui ça est dans moment ça. Eh bien, monsieur Alain, selon ULCC, il était laissé entendre par enquêteur yo, eh bien que c'est seul bureau Sénat qui a fourni explication nécessaire au sujet de montant prime performance ça qu'il même lui recevoir via 4 de débile. Et puis ULCC dit malheureusement, commission enquête là pas bien chance tendre membre bureau ou bien membre bureau ça parce que mandat ou après elle prend fin le deuxième lundi du mois de janvier 2023. Yon l'autre bord, madame, monsieur, dans ce qui concerne la gestion bien et matériel roulant Sénat République, là, ULCC dit qu'il est difficile pour ULCC joindre beaucoup de responsables administration institution ça, information précise concernant nombre ou bien quantité exacte véhicule qui fait partie patrimoine Sénat République, là. ULCC dit ou bien rappeler li quand même renseigner sur sujet ça j'aime t'avais expliqué tout à l'heure auprès de OAVCT auprès de la direction générale des impôts comme ça dans correspondance qui date 22 août 2023 OAVCT transmet by ULCC en liste de 182 matériels roulants qui enregistrés sous nom Sénat République là parmi eux 152 qui affectés au bureau central, 19 au bureau régional de Jacmel et 11 à l'unité de transfert et de renouvellement. Quant à direction générale impôt, n'a parlé de DGI, les communiqués by ULCC le 22 août 2023 ont liste de 101 véhicules qui enregistrés dans bas, en particulier monsieur Justin qui est secrétaire adjoint des affaires administratives et monsieur Jean Romual Océan, qui est responsable direction ressources matérielles et intendance dans le Sénat, n'est pas en mesure, dans le moment où elle s'est attendue, ok, dans la date 10 août 2023 à 29 août 2023, pour être fait enquêteur ULCC ou éclair par rapport à la différence 80 machines, ça, encore moins pour établir liste exacte de véhicules qui fait partie patrimoine Sénat. Ça, selon ULCC, souvelez, qui montre une carence grave dans l'administration et gestion bien public dans le niveau institution sénatoriale. Sous base un certain nombre de documents qui sont dans l'administration Sénat République, la commission enquête là arrive dénombrer approximativement 116 véhicules qui font partie patrimoine institution. Toutefois, ULCC doit signaler, eh bien, faute de pouvoir, parce qu'il n'a pas qu'à déterminer l'affectation, l'administration Sénat, lui-même n'est pas privé retracer et puis récupérer 14 véhicules de marques diverses qui font partie du patrimoine institution. Et sous même rubrique ça, commission enquête-là fait remarquer également il y a plusieurs véhicules Sénat qui étaient affectés en service quelques anciens sénateurs, eh bien, qui pas arrivé retourner dans l'administration institution. Dans ce sens, suivant déclaration enquêteur ULCC recevoir nommé monsieur Oxelan sous 33 véhicules ils étaient mettés à la disposition bien au service des 10 derniers sénateurs de la République que mandat après prend fin le deuxième lundi du mois de janvier 2023 administration Sénat récupéré seulement 20 gagné de seul noté sous 33 ils récupéré 20 donc il y a 13 véhicules jusqu'à présent ils par contre qui côté oui sauf que Mathieu il y a des gens qui t'ont servi avec eux, beaucoup d'explications, sinon ils ont été dans la main. ULCC allait plus loin, guerrier Dieu seul. Malgré note qui sortit, malgré circulaire qui sortit à l'adresse de tous les anciens sénateurs, pour demander autant de prix souple, pour te faire pour yoa tourner, pour te faire un zigno à tourner, by institution, malgré ça, yo fait la sourde oreille. 13 machines à yo, d'après déclaration responsable, direction ressources matérielles, ak intendant Sénat, monsieur Oxelan, eh bien, yo nan men 4 anciens sénateurs. Tendez bien, oui, gen 4 qui nan men anciens sénateurs, Joseph Lambert, gen 5
qui n'a même ancien sénateur Garcia Delva. Gen 3 qui n'a même sénateur Wanick Pierre et gen yon qui n'a même ancien sénateur Richard Lénine Hervé Foucan. Et bien, ULCC n'a précisé tout détail qui gen pour ak spécification, que l'te marque, que l'te numéro série, que l'te numéro immatriculation à l'autre machine sa yo, qui yo pas arrivé joindre dans le Sénat République là, souvle. Yo trouvé yo clairement dans rapport enquête là pour dire oui, c'est pour un tel yo, c'est pour tel sénateur, oui, c'est dans service tel sénateur. Oui. ULCC lui-même, aller pour plus loin pour le signaler. Eh bien, le fait que ancien sénateur sa yo même pas retourné machine sa yo qui était affecté à service yo a, et continue à utiliser machine sa yo à des fins privées, ça constitue un cas avéré de détournement de biens publics. Il y a un fait qui prévoit et puis qui punit dans la disposition article 5.4 loi 12 mars 2014 là qui vient pour être prévention et puis répression corruption. Il y a l'autre côté, commission enquête ULCCA dit qu'il doit attirer attention à la République sur une situation de désordre qui caractérise le fonctionnement police parlementaire là. Comme ça, sous base d'une série d'informations à données au rivé joine pendant investigation, commission a rendu compte, eh bien, une série de agents dans la police parlementaire là que effectif est situé entre 340 et 360, eh bien, qui pas recruté sous base concours, mais sur simple recommandation d'un parlementaire. Ça veut dire, il n'y a pas besoin qu'on s'y dans la gang, il n'y a pas besoin qu'on s'y tape réglé, il n'y a pas besoin qu'on s'y tape dans mauvaise affaire, eh bien, depuis un sénateur, depuis un député dit, mais monsieur dans la police parlementaire là, pour moi, lycée soldat, lycée militaire, dit ceci, il va besoin qu'on qui bagoua on ni, yo mettez le quand même. C'est ça ULCC voulait dire. Ça qui relevé souvle de ça où il est népotisme et puis fouler en bas pied toute norme qui en vigueur yo en administration publique là en matière de recrutement des agents publics. Police parlementaire ça qui a comme mission pour sécuriser bâtiment Sénat République là, eh bien souvle li pas possédé que trois fusils de calibre 12. D'après ça, directeur et police ça n'a parlé de monsieur Figaro, Pépé, Jerry Robert. Eh bien, ils ont mis un nommé de Gwede Eugène. Trois. Trois. Pendant qu'il y a 360, il possédé seulement trois fusils de calibre 12. À qui ça va être sécurisé? C'est ça, monsieur Figaro, P. Jerry Robert, fait UL, c'est ce qu'on est. À qui ça va être sécurisé? Vous avez droit à me connaître? Alors, ça, ça va reconnaître derrière. Elle dit l'autre sac nommé. Non, la vie n'a pas besoin de ça. Ou bien c'est la terre, ou bien du vide à la barre aux amis, tout. ULCC, allez plus loin pour le dire, madame, monsieur. Il a fait mourir, merde. L'idée fait remarquer l'autre bord. Police parlementaire, ça, il n'a pas exercé aucun droit de regard, si vous voulez, sous âme gros calibre, qui généralement en possession la plupart sénateurs. Et dans le moment où tu as tendu, il y a un directeur police parlementaire, M. Jerry Robert Figaro, il y a un secrétaire général aux affaires administratives, M. Justin Donald, il y a un responsable ressources matérielles, on a parlé là de Jean-Romuald Obséna. Il n'y a pas en mesure pour fournir à la commission enquête là des éclaircissements souverains concernant origine et provenance d'un gros calibre ça, qui est généralement dans deux sénateurs. Okay. Vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez parlé? Oui. Il a écrit, moi, pour dire, bon Dieu, béni, mon guerrier, si vous avez besoin de la République en service, elle fait un audit sur dossier machine dans le palais, moi, vous voulez pouvoir faire. Et nous, l'ULCC. Et l'ULCC, c'est mieux. L'ULCC, c'est le balakou de l'autre. En tout cas, pour trouver un message là pour l'ULCC. Ouais, Zami a dit Alphonse on dit ça Abdia, dit monsieur comme citoyen, il est capable de signaler le système. Oui oui oui. S'il connait bagage, il met ça. Son bagage, il met ça. Il a un numéro de téléphone. Il y a pas caché, vous voulez comment identité. Identité. Ouais. On va le faire ça Zami. Elle fait ça. Elle fait ça. Bon, bon côté monsieur vous pas nous Abdia ça. On parle à son bon côté vrai. On a besoin de il y a ça c'est dit zam sa yo qui dans dos sénateur zam gros calibre sa yo n'a pas parlé là guerrier et Dieu seul yo pas fait objet d'aucune formalité enregistrement au niveau de l'administration Sénat République là, c'est-à-dire même sous tant des nèg qui proche sénateur gros c'est de gros âmes qui pas forcément des policiers ou bien qui t'a venu sous couverture de police parlementaire zam sa va enregistrer pièce côté dans Sénat. OK OK là, yo pas reconnaître zam sa yo souvle guerrier n'a fini nous en phase conclusion n'a fini pour nous dire, ULCC, aller plus loin.
commission enquête là arrivée poser tête des questions sur nécessité à opportunité police parlementaire ça qui budgétivore qui doté seulement de 3 fusils de calibre 12 officiellement hein, et Wally c'est réduit souvelé non et Wally souvelé c'est sécuriser bâtiment Sénat. Eh bien à ce sujet ULCC qui a parlé, eh bien l'important pour le faire connaître en plus de financement police parlementaire ça Sénat prend en charge sécurité personnelle chaque sénateur qui les mêmes bien droit suivant alinéa F article 26 règlement intérieur à 2 agents de sécurité administration sénatoriale les mêmes engagés à titre de contractuel sous base analyse tout ça me saute dit la guerrier sous base données ULCC les mêmes recueilli dans cadre enquête là ULCC recommandé entre autres sur le plan administratif pour gagner un audit général qui fait dans Sénat République là pour créer en base de données informatisée centralisée pour capable assurer enregistrement tout bien Sénat République là et puis adopter un manuel de procédure administrative et financière